production, ça va les gars, la forme, forme, la forme et les formes. Et aujourd'hui, on fait une première vidéo sur le nouveau jeu du moment en termes de gacha, Sword of Convalaria, disponible dès aujourd'hui. Et donc du coup, moi je vais faire une vidéo pour reroll, pour montrer comment reroll sur le jeu de manière très rapide. D'ailleurs c'est très rapide à faire, c'est vraiment quelques minutes en fait. Et on va voir ça ensemble, on va faire tout ensemble. D'abord, on se login en tant que guest login. Pas en tant que Google, pas en tant que Facebook, mais en tant que guest login. Pour quelle raison? Parce que, en fait, quand tu vas si tu foires tes pools, ça va être plus facile de reroll parce que tes données pourront être effacées immédiatement. Alors que si tu es connecté en tant qu'utilisateur Google, et ben ça sera pas le cas. Oups, alors là, c'est un cas où, justement, j'ai raté mon coup. Donc, on va faire logout. Yes, sir. Donc, bah, ça va être bien, je vais vous montrer justement comment on fait pour enlever les données. Boum. Tu vas. Attends, login. D'accord, en tant que guest. Ici, tu appuies sur le bouton ici, avec le petit bonhomme, tout en haut à gauche. Delete account. Go now. Et on fait la procédure. C'est tout. Oui, j'ai mis ça. Oui, submit. Et voilà, tout est fait. Ensuite, accept. Login en tant que guest. Et là, tu recommences la partie. Let's go. Alors, en général, ça prend entre 9 et 10 minutes. Entre 9, 10, 11 minutes. Quand t'es servi, ouais, c'est entre 9 et 11 minutes, on peut dire, comme ça. On va voir pour nous, ça va durer combien de temps. Toujours appuyer à fond pour doubler la vitesse de discussion ici. Et en gros, on va vraiment speedrunner à travers tout ça, à dire je prends perso garçon parce que je me respecte. Et que les persos garçons sont ceux qui ont toujours la romance. Parce que les filles sont tous amoureuses des garçons dans ce genre de jeu-là. Ensuite, boum boum boum, et qu'il y a toujours plus de perso filles que de perso garçons. Great wake up. Debout mon ami. Franchement c'est tellement drôle. Tu t'imagines, t'es là, t'as perdu la mémoire, le mec qui se réveille, et deux secondes après le mec qui se réveille, on essaye de le buter, tu fais, mais c'est pas croyable. Of the wake up, je me lève, on veut déjà ma peau, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est grave. Du coup. Oui, je skip. Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment tout. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, c'est surtout donner le choix. Si le mec veut avancer rapidement dans son combat, il a son combat. Et maintenant, le mec veut suivre sa story. Si sa story est en paix, toujours bien me donner cette option-là. D'ailleurs. Ah, ok, bon, merci. La Big 6. Mink. Sol. Thank you. Mama, Kana. Alors ici on ne peut pas vraiment skipper parce qu'on va devoir donner notre nom. Donc le personnage. Donc on blaze. Yes sir. Let's go. Sokai. Sorede. Non. Il est en appui. On appuie à fond. On n'a pas besoin d'entendre ce qu'il a à dire. L'exécution est intéressante parce qu'en gros, basiquement, il y a une émeute. Il y a une émeute sanglante, hein. Les mecs ne blaguent pas avec cette émeute. Tous ceux qui sont sur le chemin des rebelles se fait exterminer. C'est une dinguerie. Que tu sois civil, maman, petit, tout ce qui bouge. Rien à foutre, on brûle ta maison. Tout ce qui bouge, les gens c'est des ouf. Du coup, on skip. Sachez qu'ici il y a 4 combats. 4 combats, donc là on a fait un, là c'est le deuxième. Et après les 4 combats, on a directement l'option de pouvoir invoquer. On tombe dans la zone où justement on peut invoquer et récupérer nos poules en fait. Nos outils pour.
passer. On sait. Voilà. Le prochain target est lui. Après, la première fois, c'est mieux quand même de tout suivre, malgré tout. Comme ça, tu suis un peu l'histoire, ce qui se passe, tout ça, mais ensuite, quand tu as fait une fois, si tu vois que ton truc a foiré, que tu es reroll, là, tu peux skipper tranquillement. Et ensuite, dès que tu as skippé et que tu as ta reroll, et bah, tu profites. Alors, j'annonce tout de suite, je ferai pas les poules ici, mais je vous montrerai juste comment tout récupérer pour avoir le maximum de poules possible. Quoi. Mais je ferai pas les poules directement, parce que ça va prendre du temps pour rien. Et à mon avis, en plus, j'ai foiré. Oui. Skip. Tac. Boum. 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 On skip. Le target est Deutsch. Alors, ce qui va se passer normalement, c'est qu'il va se faire embûcher, mais là, j'ai un nouveau skill de soin que je pourrais utiliser plus tard. J'aime vraiment bien le gameplay, même les. Le design des personnages, le design des maps, comment c'est fait et tout, c'est vraiment super stylé, ça donne envie de suivre l'histoire et tout. C'est vraiment bien foutu, leur truc. Et puis les musiques, oulala, les musiques elles sont bien sa mère. Les musiques elles sont bien sa mère. Hop, ça c'est un faux Tenpool. Ce pool là, de 10 là, c'est un faux. J'aurai toujours les mêmes persos, toujours. Donc, du coup... Ne faites pas confiance. J'ai pas confiance. Ah, faut que j'appuie sur skip. Voilà, oui. Skip. Et là, on va voir notre dernier combat. D'après ce combat-là, nous sommes 7. Alors, on va voir si on aura le temps de le faire. Normalement, oui, on devrait avoir le temps de le faire. Tranquillement, enter, oui. Quand j'ai eu le temps de le faire, c'est pas forcément que... Il y a un time limit, mais c'est... Non, parce que j'espère que je pourrai faire ça. Thank you.
Et on me donne seulement. Et voilà, nous sommes là. Les données, donc nous sommes 7. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Like, subscribe et cliquez sur la notification. On se retrouve après.